Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024, un mois de juin marqué par l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc on va voir si ça peut avoir un impact, hein, forcément. Donc il va y rester plus d'un an puisqu'il sortira le 9 ou 10 juin 2025 et s'installera dans le signe du Cancer. Alors, on va aller voir quel signe veut parler. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages et surtout votre confiance en mon travail. Ça fait super plaisir et ça fait vivre la chaîne. Donc n'oubliez pas de commenter cette vidéo, même juste un petit mot suffira à montrer que vous êtes venu ici et que vous avez apprécié ce moment passé avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, poisson. Alors vous êtes les troisièmes à sortir ce mois-ci. Le mois dernier, vous étiez le dernier, mais pas dans mon cœur en tout cas. Allez, on y va. Votre énergie principale à vous, amis poissons. Alors, persévérez, très bien. Alors au niveau de quelque chose qui est peut-être challengeant, on a du 45. Ah bah tiens, là on a du 45 aussi. Il y a quelque chose qui va se montrer, se révéler. Alors 45, non, 46 maintenant. Donc on a le grand trigone, les bénédictions. Et pour moi, si vous abandonnez, c'est comme le mineur, hein, enfin celui qui creuse, qui arrête à 2 mètres du truc en fait, du filon, enfin d'avoir trouvé le trésor. Donc pour moi, vous êtes en train, je pense aussi, d'utiliser une ressource invisible. J'ai l'impression que pour que vous puissiez arriver jusqu'au bout et donc persévérer, au lieu de passer des étapes comme des grandes étapes, genre Paris, hop, je m'arrête à Lyon, hop, je m'arrête à Rome, ensuite j'arrive en Croatie, si par exemple c'était votre objectif. Là, c'est comme si vous disiez, ok, je m'arrête à Rambouillet, je m'arrête ensuite à machin, je m'arrête... Voilà, vous avez segmenté, j'ai vraiment ce côté segment, en fait, comme si vous disiez, mais je vais y arriver un jour. En fait, vous avez exactement le même trajet. Mais c'est comme si c'était davantage de petites pauses. Il y a une histoire d'investissement aussi dans la persévérance. Donc, on va voir hein, ce qui ressort. Mais en tout cas, on vous dit que les bénédictions sont là. C'est pas nécessairement long, chiant, laborieux. Voilà, ça, c'est un message pour certaines personnes d'entre vous. Parce qu'il y a derrière la persévérance, l'antithèse, c'est le découragement. Donc là, on vous dit, non, non, persévérez. Il y a une bénédiction à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, justement? Alors, on a Vanity Fair, on a Gémeaux Balance. Ok, on a l'aspect Mercure-Vénus. Très plaisantin, très... je vois des sorties, je vois des groupes de discussion, des clubs, par exemple, club de lecture, club de théâtre, peu importe. Mais il y a vraiment ce côté... ça peut se passer à n'importe quel moment. Et là, on a le jump, le saut de la foi. On bascule d'une réalité à une autre. Alors, il y a eu du... Ouais. Alors, je vous raconte hein, ce que je vois. Après un long moment passé seul et incompris, ou incomprise, notre ami Poisson a finalement rencontré quelqu'un avec qui c'était... la symbiose la plus totale. Mais il y a eu des choses à travailler, des choses qui se sont produites, des choses qui vous ont cloué à terre, gelé et surtout paralysé. Hein. Peut-être des peurs, peut-être des choses ancestrales qui viennent d'ailleurs. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Et là, il a fallu faire appel à vos copains, des amis, des guides. On a Hermès, on a la Lune, donc on a vraiment ce côté intuitif en soi, mais aussi dans les discussions. Ça vous a obligé peut-être à exprimer des sentiments. Je vois aussi, par exemple, un Mercure en Cancer. C'est très... ça va blaguer au lieu de parler du vrai truc. Ça va dire, mais non, t'inquiète, vas-y. Voilà, on fait le clown plutôt que de parler de ses véritables émotions. Sauf que ça n'a pas donné lieu à un mieux-être. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. On sait, cette fois-ci, on ne peut pas passer à autre chose. Cette relation, cette personne, ce projet, si c'est un projet, ne peut pas être
passer par-dessus la jambe comme si c'était quelque chose d'anodin ou de... Voilà, on ne peut plus plaisanter dessus. Maintenant, il faut... je dirais que là, vous avez passé votre temps à réparer, à pouvoir réavancer. On a Gémeaux, on a Capricorne, donc on a Mercure, on a Saturne. Et maintenant que la leçon est passée, maintenant que ça y est, vous avez compris aussi où était votre place dans le monde, ouais, votre valeur véritable, là, ça y est, vous sentez que c'est le bon moment pour y aller. Donc, vous avez travaillé, pour moi, sur vos peurs qui vous paralysent, sur votre estime de vous-même, votre image de vous-même, votre perception de vous-même, donc ce que le monde pouvait penser de vous. C'est-à-dire, moi, on peut m'aimer vraiment sans qu'il y ait un coup de Trafalgar derrière ou je peux être vraiment dans une relation durable sans qu'il y ait de coup de Trafalgar ou de... sans que la personne s'ennuie de moi. Ah ouais, on peut vraiment faire ça avec moi. Je veux dire, voilà, ça, c'est ce qui a dû être travaillé. Maintenant, on passe à la suite, forcément. Alors, quelle est la suite? Déjà, au niveau du boulot. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, pour vous, cher ami Poisson, qu'est-ce qu'on a en stock au niveau professionnel? La lune. Alors, regardez, on a 7 de bâton, on a le jugement ici. Alors, avec la lune, il y a cette notion de se rapprocher de quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du... Alors, pas privé, mais de l'ordre du talent inné, de l'acquis, de quelque chose que vous avez longtemps foulé. Donc, si par exemple, c'était... votre grand-mère était guérisseuse et votre arrière-grand-mère était, chamane ou quoi que ce soit, ou que dans vos vies antérieures, vous l'étiez, et ben là, vous allez devoir vous y coller. C'est encore une carte de persévérance. Pour moi... Il y a la peur aussi, il y a beaucoup de stress à l'idée de perdre un emploi ou de travailler sans filet, voyez, d'être peut-être à votre compte. Je sais que la lune ne me dit pas du tout, enfin c'est pas la lune qui m'en parle, c'est tout le reste en fait, c'est l'ambiance, c'est là, je suis en canalisation pure. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose d'ancien, hein, la carte s'appelle les vies antérieures, c'est pas pour rien, mais il y a quelque chose d'ancien pour lequel vous êtes supposé persévérer. Le 7 de coupe, le 7, pardon, de bâton nous parle de persévérance. Je sais que la carte s'appelle le stress, mais c'est aussi, voilà, au bout d'un moment, l'équilibre subtil de toute chose, c'est entre la persévérance et le lâcher prise. Donc ça, comment on fait pour persévérer tout en lâchant prise? Sinon, on est dans le contrôle et ça crée quoi? Du stress. Donc c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de travailler. Hein, si c'est pas l'aspect pro, ça va être en tout cas le job dans lequel vous êtes en train de vous investir. Vous voyez, ça peut être, on va voir ce qui sort dans la colonne du développement perso, mais j'ai vraiment la sensation que là, il y a quelque chose qui a envie de alors pardon pour le terme, hein, messieurs, mais voilà, d'accoucher. Voilà, vous avez envie de le sortir, votre truc. Vous avez envie de le pondre, votre projet, de le mettre au monde, que ça devienne, ça y est, un beau bébé qui va être bien nourri et bien développé, qui va encore plus croître. J'ai vraiment cette sensation que c'est resté dans le ventre trop longtemps et que ça a pu générer d'ailleurs, alors, dans les symptômes que j'ai, que je ressens que vous pourriez avoir, urticaire, mal de ventre, crampe intestinale, grippe intestinale, tout ce qui est dans les intestins en fait, parce que ça va être la colère, le stress. Si vous avez, alors il y a aussi un message, si vous avez le matin, avant d'aller au boulot, mal au ventre, ne pensez pas que ce sont la faute des céréales. Je pense que c'est parce que l'environnement ne vous plaît guère davantage et que vous devez partir. Sauf que s'il n'y a pas de vision, parce que la lune, elle peut parler aussi d'un floutage et que vous n'avez pas de vision de là où vous voulez aller, ça va enclencher des peurs de perdre. Donc, c'est pas associé à la perte d'un emploi, c'est associé à la perte tout court. Donc, ça peut être une vie antérieure où vous avez... Attendez. On va pas les chipoter, hein. Allez, voilà, je l'ai pas fait pour les autres signes, mais vu que je vous aime particulièrement, enfin, je dis ça à tous les signes, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais non, là, je le fais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 12, le cloître. Alors,
Ok, donc cette peur de la solitude, de tout perdre, cette carte nous parle de... Dans une vie antérieure, il y a eu de la brute, enfin, il y a eu un changement brutal en fait. Il y a eu quelque chose, un coup du sort, j'entends. Cette carte, elle nous dit, ça, c'est quand la foi a été balayée d'un revers. En fait, c'est comme si, par exemple, dans la famille, vous pensiez que vous aviez, je sais pas, vous étiez irlandaise, irlandais de père en fille, enfin de voilà, dans la famille. Et en fait, on vous dit, ah ben non, en fait, non, non, on vient juste de Redon, voilà, à côté de Nantes, enfin entre Nantes et Rennes, mais rien à voir avec l'Irlande. Et là, vous vous dites quoi? Attends, mais toute ma vie, c'est un mensonge. Et voilà, toutes vos convictions, balayé d'un revers comme ça. Bon, là, j'ai pris un exemple plutôt cool, parce que moi, si j'apprends que je suis rennaise, ça me va très bien. Voilà, même si je suis née à Paris. Enfin, à côté de Paris. Donc, dans le domaine, alors, vœux de piété, vœux de solitude, vœux de pauvreté aussi, tout ce qui va concerner la vie monastique, la vie religieuse, la foi, la piété, voilà, qui est symbolisé par cette carte. Dans les vies antérieures, en fait, enfin, ce qui explique beaucoup de stress à l'idée de changer, hein, si vous êtes dans cette idée de changement où, vous voyez, on a derrière le 8 de coupe, le lâcher prise, l'épuisement, je pense qu'il y a une partie de vous qui résiste à ce qui, en plus, vous fait crever d'envie. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai vraiment envie d'être à mon compte ou de changer ou d'aller là-bas. Sauf que si je me plante, terminé, balayé, j'ai plus qu'à recommencer. Ça, c'est pas tenable. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, voyez, pour certaines personnes d'entre vous, alors c'est pas une lecture, comment dire, c'est une lecture générale, c'est pas une lecture privée, mais en lecture privée, je pourrais vous dire, là, pour un groupe de personnes, vous aviez tout. Vous aviez tout, vous étiez un seigneur, je ne sais pas comment on dit au féminin, une grande dame. Vous voyez, j'ai vraiment, voilà, quelqu'un de haute noblesse. Et du jour au lendemain, bim, badaboum, vous avez tout perdu. Peut-être une guerre, peut-être, voilà, un combat entre seigneurs du coin, voilà, les locaux. Et vous voyez, j'ai vraiment ce côté... ascension et ensuite la chute, quoi. Il y a vraiment le... Voilà. Ce qui génère beaucoup de stress, c'est de devoir tout recommencer aussi. Parce que des fois, c'est plus confortable de garder ce qu'on a, même si c'est un pis-aller. Parce que justement, le fait de devoir, alors le 7 de bâton et la persévérance, ce fait de devoir faire preuve de persévérance, faire preuve de, allez, il faut que je recommence de zéro, etc. C'est chiant. C'est comme un déménagement, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Mais voilà, on sait qu'on a le côté musclore à se taper, hein, le côté faut monter les meubles, faut les mettre dans le camion, enfin, faut les démonter, faut les mettre dans le camion, faut ceci, faut cela. Donc là, j'ai l'impression que, en fait, cette posture-là n'est plus tenable. Pour moi, c'est comme si vous disiez, bah ouais, mais j'ai la sensation de marcher sur des béquilles, je peux pas aller où je veux, je peux pas faire ce que je veux. Donc là, en tout cas, il y a ce côté vie antérieure. Moi, alors ça dépendra des personnes, mais je vous conseille vraiment de vous dire, mais et si c'était une bénédiction, si c'était en fait un mal pour un bien en spiritualité, c'est voilà, quand on saute de réalité, il peut y avoir des choses qui quittent brutalement. La fois où j'ai eu, alors moi j'ai eu un accident de voiture, ça m'a réveillée. Ça a été horrible à vivre sur le coup, mais dès le lendemain, je me suis dit, il y a tout qui s'est réadapté déjà. On m'a prêté une autre voiture et tout ça, mais les collègues se sont montrés très sympas et tout. J'ai été en arrêt parce que j'avais la charnière entre les cervicales et les vertèbres qui étaient, qui avaient, voilà, qui avaient glissé, on va dire. Et je me suis rendu compte que le mec pour qui je bossais était horrible. En fait, je le savais déjà, mais à ce niveau d'inhumanité, il m'a quand même envoyé 17 messages pour me dire, ouais, mais comment moi je vais faire pour mes dossiers? Voilà, je me suis dit, non, mais attends, j'ai failli crever. Et voilà, donc bon. Et en fait, ce réveil-là, en fait, ça a été
comme un appel de l'univers qui était là depuis longtemps, que je n'ai pas écouté. Et voilà, c'était ça au début. Ensuite, de plus en plus fort, l'accident est arrivé. Je me suis dit, c'est bon. Et le matin, je l'ai su, hein, que j'allais passer une journée... Enfin, voilà, j'ai dit à ma mère au téléphone, je lui ai dit, je ne veux pas aller au travail, je ne peux plus, j'avais une boule au ventre, j'étais même pas proche du burn-out, mais voilà. Au final, j'ai l'accident et je me rends compte que lui, c'est même plus la peine, hein, que ce que je pouvais supporter avant, là, c'était plus possible. Et donc, en douce, j'ai trouvé un autre travail, j'ai bougé et là, les choses, ça n'a plus du tout été la même vie. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une frontière entre le passé et maintenant. Hein. Bon, maintenant, je suis à mon compte, mais voilà, c'est vraiment ce côté réveil. C'est plus possible de vivre comme ça, c'est plus possible d'être sous la coupe de quelqu'un qui, vous voyez, il se passera forcément quelque chose qui vous y emmènera. Alors au niveau sentimental, deuxième lame majeure, on a le chariot, très bonne nouvelle, et derrière le pape. Alors, il y a deux messages. Le premier va concerner les couples qui sont déjà assez bien établis. Il y a une étape supérieure, ça peut aller même jusqu'au mariage, au renouvellement des vœux si vous êtes déjà marié. Le fait de passer un cap aussi, si vous êtes déjà marié, parce que après, il y a quoi ? Il y a juste de rester marié, mais le fait de reprendre des activités pour soi, le fait de prendre conscience de votre potentiel, voilà, tout ça, enfin, de votre potentiel, que vous pouvez reprendre, je sais pas, hein, une activité qui vous plaît. Si vous êtes par exemple retraité, vous allez vous dire, mais tiens, mais quand j'étais petite, il y a un truc qui me plaisait, c'était de faire ça, bah vas-y, c'est pas parce que je suis à la retraite que je peux pas me mettre à mon compte ou faire de ceci ou faire cela. Bon, tout dépend de vos envies. Mais là, justement, quelles sont vos envies ? Le chariot vous fait prendre conscience que vous avez déjà les ressources en vous pour y arriver. Ok, ça c'était le premier message. Pour les célibataires, que vous soyez avec quelqu'un en vue ou sans personne en vue, le fait de bouger, le fait de sortir, le fait d'accepter des invitations, le fait aussi qu'il y ait peut-être une leçon spirituelle, que vous pouvez aller où vous voulez, que vous pouvez vous permettre tout ce dont tout ce que vous souhaitez est accessible. Le 2 de bâton nous parle de possibilités. Donc maintenant, imaginons que vous avez quelqu'un en vue et vous vous dites, bah non, c'est pas possible, ça se fera jamais, machin, regarde, je me suis déjà cassé la gueule, nanani, ma pote, elle m'a dit que nanani, valait mieux que j'oublie. Non. Ça, vous oubliez. Ce qu'elle vous a dit, ce que vous pensez. Maintenant, c'est, ok, j'en ai vraiment envie, comment je fais pour y aller? C'est ça le chariot. Comment je fais pour y aller? C'est-à-dire, j'ai l'énergie de conquérant, de conquérante, je suis un conquérant. Maintenant, comment je m'y prends? C'est un peu comme si vous disiez, ok, je vais aller à Rome, maintenant comment je fais? Et bien en fait, vous faites juste ça, voilà, ou ça, parce que moi maintenant c'est un bouton, vu que j'ai une voiture un peu plus récente, grâce à cet accident de voiture, j'ai une autre voiture, puis ensuite j'ai une autre voiture, et voilà, j'appuie sur le bouton, je mets la clé, sinon le truc à côté, hop, ça démarre, j'appuie sur l'embrayage, voilà, et ensuite, bah, je roule. Donc le chariot, c'est aussi prendre conscience de... À partir du moment où vous avez le code, vous avez le permis de conduire, vous avez le moyen d'y aller, ok ? Vous avez le moyen d'y aller. Maintenant, ça peut être en Uber, en taxi, en vélo, en trottinette, en tracteur, en avion, en train, en bateau ou bien en voiture. Voilà, maintenant, si vous avez tous ces moyens-là, il ne reste plus qu'à rouler. Et c'est vraiment, en fait, voilà, c'est ça la persévérance. C'est-à-dire, le lâcher-prise, c'est quand vous dites, bah, j'ai fini d'y penser, j'ai fini de... Moi, je pense qu'avec cette carte de Gémeaux-Balance, vous l'avez tellement éprouvé, votre souhait. En fait, c'est comme si vous aviez... Pardon. Je vous montre. Hein. Je vous montre parce que c'est vraiment rigolo, l'image que j'ai. Ça vaut la peine. Alors ça, c'est mon chiffon pour mon ardoise Velleda, ok ? Donc, vous avez votre souhait. Il est là, comme ça. D'accord ? Il est un petit peu... Et vous faites comme ça... Voilà, alors ça c'est mon souhait, j'y pense, hein. Ça c'est le fait d'y penser, donc j'y pense encore, j'y pense un petit peu aujourd'hui, j'y pense beaucoup demain, j'y pense, mais en fait, au lieu de
Vroom, vroom, vous voyez? Bon, désolé hein, pour les bruitages, mais voilà. Donc là, au lieu d'y penser, maintenant, on vous dit agissez. Voilà, on a Sagittaire, on a Verseau. On vous dit, bah, allez-y. Roule, roule ma poule. Salut, ça roule. Ouais, ça roule bien. Ça, voilà, c'est même si c'est embouteillé, vous roulez quand même, vous y arriverez quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous donne une clé très importante, les poissons. Écoutez-moi bien. Troisième lame majeure. Bah, dis donc, ça va être votre mois, hein, je vous le dis. Pourquoi? Alors, en Jupiter, qui est votre, on va dire, dans certaines écoles d'astro, qui est votre régent, on va dire ça comme ça, un souverain avec Neptune. Quand Neptune n'avait pas été découvert, en tout cas, c'était Jupiter qui s'occupait de vous avec le signe du Sagittaire. Jupiter en Gémeaux, signe ami, puisque vous êtes tous les deux des signes mutables et signes doubles. Vous êtes les deux seuls signes au pluriel. Tous les autres sont au singulier. Là, on a l'étoile. C'est une guidance, hein, c'est une guidance interne. Alors l'étoile et le chariot forment un très très joli couple. C'est une belle association pour l'amour. Et regardez, 6 de bâton, la reconnaissance. Là, c'est les quatre là sur leur fauteuil rouge qui se retournent en disant « je te veux ». Voilà, l'univers, il est en train de dire « on t'a élu, ça y est, t'es, voilà, t'es Neo dans Matrix ou Trinity dans Matrix, puisque si vous avez vu le 4, ah, je dis rien, c'est une histoire de flamme jumelle, Matrix. Hein. Alors... Enfin, pas que. On a un 9 de bâton qui m'a attaqué et qui est tombé renversé. Alors, ici, vous êtes en pleine... ouais, il y a un petit entre-deux quand même. C'est-à-dire que spirituellement, il y a un épuisement. Il y a un épuisement, même... je vais rester poli, mais un ras-le-bol. Voilà, il y a ce côté... dans le 9 de bâton renversé, en fait, il y a ce côté « je suis épuisée ». Et en fait, c'est... C'est très bien, c'est pas plus mal. Cet épuisement, il conduit à tout relâcher et à laisser les choses se faire. C'est-à-dire qu'au lieu de persévérer en mode contrôle, en mode frustration, en mode « il faut, je veux, c'est mon précieux, c'est à moi », voilà, non, vous allez vous dire « ok, tranquille, chill, relax, take it easy », comme chantait Mika de sa voix si douce, puisque j'ai parlé de The Voice il y a deux secondes. Mais Mika, qui est un formidable, effectivement, on va dire... personnage hein, qui explique justement que dans sa vision des choses il y a cette relaxation. Je sais pas quel signe astro il est, Mika. Alexa, quel est le signe astro de Mika, le chanteur? Le signe du zodiaque de Mika est le lion. Ah, il est lion. Bah, rien à voir. Ok, mais voilà. Donc on a ce côté justement persévérance malgré le flou, parce que vous avez une guidance interne. Donc maintenant, dans la façon de faire, et c'est là que spirituellement, vous allez peut-être changer radicalement votre façon de faire, parce que le 9 de bâton renversé, il va surtout parler en fait d'une, comment dire, d'une ouverture. C'est-à-dire, au lieu de devoir faire comme ça et de toujours être de cette manière-là et tout ça, voilà, c'est, vous, comment dire, j'ai une image de quelqu'un qui doit être à quatre épingles en se disant « faut toujours que je sois impeccable, que je sois comme ci, comme ça, machin, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça pour être impeccable, pour être vu comme quelqu'un d'impeccable, pour attirer quelqu'un qui sera aussi impeccable. » Alors que vous pouvez très bien être attirant aux yeux de l'autre personne en restant en jogging, chignon décousu, voire même une légère tendance à regraisser des cheveux, la personne, elle s'en fout. C'est à l'intérieur de vous, tout ça. Tout ce trésor en vous, il est en vous. C'est pas ce que vous allez faire, c'est qui vous êtes. Et ça, vous le comprenez. En tout cas, ce mois-ci, vous l'appliquez. Hein, parce que là, au vu du chariot de l'étoile, pour moi, vous retrouvez la maîtrise des choses et surtout le fait de reconnaître que vous en valez la peine. Le 6 de bâton, c'est une reconnaissance interne. Vous savez par quoi vous êtes passé. Vous savez quelle guerre, quelle bataille, hein, mon fils, ma bataille, que vous avez menée. Et qu'on vous le reconnaisse ou pas, qu'on vous couronne de laurier ou pas, vous avez acquis ce droit-là. Alors, vite fait, on va prendre des petites cartes pour confirmer sur les petites cartes. Sur la lune, la tour, bim, bam, boum. Et tempérance. Ah oui, vous êtes en train de régler un truc. Ouais, quand je parlais de peur, c'est confirmé. Vous êtes en train de fluidifier les choses. Tempérance,
C'est un vase communicant et là, vous bloquez les peurs. Enfin, c'est-à-dire que vous traitez les peurs, vous les dissolvez en fait. J'ai eu le goût du dissolvant. C'est marrant, quand j'ai vu le 9 d'épée, j'ai eu le goût du dissolvant dans ma bouche. Ah, c'est pas très agréable comme sensation. Mais je sais que c'est pas vrai, donc je suis en train de dire à mon cerveau, non, non, c'est pas vrai, c'est un ressenti que tu as eu. Et pour moi, vous êtes en train de... de dissoudre quelque chose, vous êtes en train de lui éclater en fait ça voilà, je vais rester polie et feng shui, hein, mais vous êtes en train de lui régler son compte. Donc c'est très bien, là il y a vraiment ce côté renaissance en fait, c'est aussi important, je dirais que ça, plus ça, plus ça, ça crée le jugement, hein, ça crée la carte du jugement, c'est-à-dire je renais de mes cendres. Au niveau de l'amour, que vous dit le chariot, 4 de bâton, eh ben le mariage, voilà encore, on a la bonne équipe hein, en face de vous, les sorties, encore une fois, pour les célibataires, sortez, c'est peut-être là que vous allez rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va vous dire, ah bah tiens, voilà, j'ai entendu parler de toi, ou ma cousine, quand j'étais à son mariage, je t'avais repéré, voilà, bon, je sais pas, mais vous verrez, je pense que là, pour certaines personnes, ça va se faire dans les 4 à 7 semaines. Ouais, j'ai vraiment une histoire de... J'ai du 7 ici, j'ai du 7 ici. Ça peut être... ouais, cette semaine, c'est pas déconnant avec le mois de juillet, avec le 7. J'ai pensé à Mika, mois d'août. Ouais, il pourrait y avoir pour certains une proposition et... planification pour un voyage au mois d'août ou voilà, il y a quelque chose, un mariage aussi, voilà, si vous êtes en plein préparatif. Alors, regardez, hein, mariage, union, carte d'évolution vers quelque chose de stable et de heureux et l'as de coupe, nouvel amour, nouvelle manière d'aimer puisque vous avez nettoyé. Pour certaines personnes, je pense que votre décision sera prise, vous allez vers une nouvelle personne. Pour moi, vous changez de réalité. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir les ruptures qu'il faut pour que vous soyez dans la vie la plus appropriée. C'est-à-dire que l'univers va créer le... En fait, quand vous voulez changer quelque chose, bah, tout le terreau va avec, c'est-à-dire, voilà, si vous voulez une meilleure vie, moi quand par exemple j'ai changé de voiture, enfin j'ai eu cet accident de voiture, j'avais posé l'intention d'avoir une meilleure vie, un meilleur environnement, voilà. Par exemple, j'avais des meubles de récup que j'avais récupérés dans la rue et tout, et je m'étais dit, bah voilà, quand j'aurai un meilleur budget, et au lieu de bloquer sur l'argent, en me disant il me faudrait plus d'argent pour ça, je m'étais dit, bah... On verra ce qui se passe, hein. C'est là où j'ai lâché prise, mais j'ai persévéré dans la version désirée, c'est-à-dire en me comportant comme quelqu'un de serein. Hein. Si je ne suis pas sereine, je ne peux pas dire « Ah, j'ai confiance, mais je vais quand même vérifier, c'est pas possible. » Donc, voilà, et tout a commencé à basculer. Donc, j'ai perdu des amis, enfin des amis, c'était des... Comment dire, bah, pas finalement... des vrais amis, mais en tout cas, tout l'environnement, j'ai arrêté radicalement, c'était il y a déjà presque 10 ans, de manger du McDo, de manger des choses comme ça, enfin voilà. Et en fait, tout s'est adapté, parce que je me suis alignée. Donc, il y a effectivement la notion de devoir laisser les choses derrière vous. Ça, certains n'y échapperont pas. Voilà, c'est un meilleur message, mais voilà, c'est pour que ça puisse se passer, il faut que certaines choses puissent se passer ou arrêter d'exister dans votre réalité. Et le 9 de bâton, alors l'ouverture, ah, le diable. Alors, quand je parle d'une relation qui est un peu challengeante, s'ouvrir, alors quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui vous compte, je vais pas dire qu'elle vous compte fleurette, mais quelqu'un qui est là, mais vas-y, mais t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Peut-être qu'avant, ça vous aurait provoqué des boutons ou en mode « qu'est-ce qu'elle me veut ? C'est quoi cette disquette ? Qu'est-ce qu'elle me sort ? Qu'est-ce qu'elle me chante ?» Là, vous allez vous dire « bah c'est pas étonnant. En fait, c'est même normal et c'est pas de l'orgueil, c'est pas du narcissisme. C'est tout simplement cohérent avec le travail que vous avez fait sur votre vision de vous-même. » Alors, je vais quand même garder l'as de coupe, 4 de bâton, on a le diable. On va voir, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes
en fait, qui vous pompent votre énergie, votre temps? Est-ce que c'est parce qu'elles sont drainantes? Oui et non, pas forcément. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de vous casser la figure? Est-ce que ça vous paraît trop beau pour être vrai? Pour certaines personnes, il se peut qu'effectivement, ce soit une personne manipulatrice. C'est possible aussi. Alors, on va aller voir. On a réconciliation. Ouais, vous sortez du mode combat, hein. Ça y est. Le mode combat qui a duré depuis 2021. Hein. Là, c'est aussi ça, le 9 de bâton qui est tombé renversé, c'est que vous n'avez plus besoin de combattre. Maintenant, ça va être comment persévérer sans être en mode en mode combatif, mais plutôt en mode résilient et tranquille, relax. Alors, on a le jugement. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Tristesse, rupture. Ah oui, alors quelqu'un... Le diable, il y a une opportunité, mais qui peut venir de quelqu'un qui potentiellement vous a fait énormément de mal. Mais elle a pu faire du mal à la version de vous que vous étiez. Et oui, et maintenant, si vous êtes une nouvelle version, est-ce qu'elle va encore vous faire du mal? Ça dépend de comment vous voyez, mais ça abondera dans tous les cas dans votre sens. Maintenant, il va y avoir des réconciliations. Réponse déjà en soi, famille et proches. Ouais, il y a un truc avec la famille qui vous maintient dans une vision de vous qui est clamsée, j'allais dire, qui est erronée, qui n'est plus d'actualité, qui est hors sujet en fait. Si la personne vous dit « ouais, mais elle va te faire du mal et tout », non, j'ai pu avoir mal avant parce que je lui ai donné le pouvoir de me faire du mal ou que ma vision de moi à l'époque, vous savez, quand on loupe une opportunité, on se dit « non, mais... c'est trop beau pour être vrai », en réalité, on a déjà sabordé la relation. C'est-à-dire qu'on va agir de manière à saboter le truc, parce que c'est notre croyance que, de toute façon, ça ne marchera pas. Si on se dit « c'est trop beau pour être vrai », on est en train de dire « ça n'arrivera pas ». Alors que si vous dites « ok, ça ne peut que arriver », vous incarnez une personne qui est davantage magnétique, diable, hein, qui est davantage... séduisante, la personne va se dire oh, « mais je serais fou, folle de la laisser filer ». Donc le « quand dira-t-on de la famille ?» Regardez bien, hein, ici, moi j'ai l'impression que, voilà, hein, bon, je pensais pas que tu allais rempiler avec elle, avec lui. Oui, bah oui, mais ça s'explique parce que c'est votre moitié d'âme, voilà. C'est, vous avez fait travailler des choses. Alors, pour les personnes... pour qui tout va bien, attention à ça. Si vous pensez, bah, j'espère que ça va continuer, j'espère qu'on ne va pas rompre, vous êtes déjà calqué sur la possibilité que ça puisse arriver et la tristesse. Donc vous ressentez quoi? De la tristesse. Donc la personne va se dire, bah, avec moi elle est triste, c'est pas la peine, allez, au revoir, merci. Donc non, et c'est là que vous allez apprendre qu'il faut vraiment faire attention aux mots que vous employez. Hein. En guidance privée, vous n'imaginez pas à quel point... vous vous en rendez pas compte, mais des fois, en vous écoutant, il y a la partie voilà, où on échange, je vous dis, mais attention, quoi, je le note. Hein, je vous montre en vidéo quand vous commandez une vidéo. Parce que si on ne s'écoute pas un minimum, donc on n'a pas cette démarche un peu narcissique de se regarder dans le miroir, et oui, de se regarder, c'est narcissique, mais c'est ô combien précieux comme enseignement. Parce qu'on n'a que notre prisme de valable. Les autres ont leur prisme parce qu'ils ont leur bagage, leur vie antérieure, voilà. Donc là, l'idée, c'est de se détacher, jugement, la famille, les proches, le quand dira-t-on, voilà, les non-dits. Libération d'un blocage, c'est ce qu'il va falloir faire. Vous allez devoir libérer. En fait, en ayant peur du jugement, peut-être que vous vous taisez. Et là, on vous dit, non, il va falloir ouvrir la parole, il va falloir vous exprimer. Mais alors, c'est pour ça qu'on a Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air qui vont vous permettre justement d'utiliser des clés de langage. Et ces clés de langage,
Ça va être, écoute, je comprends que tu aies des inquiétudes, mais tu te réfères à quoi exactement? Tu te réfères à une ancienne version de moi qui est libérée, que j'ai nettoyée, que j'ai guérie. Donc, je ne peux pas, et vous pouvez citer Albert Einstein ou moi-même, voilà, puisque je le cite, non, je plaisante, mais vous pouvez dire, mais la vraie folie, c'est de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Moi, en l'occurrence, j'ai fait des choses différentes. J'ai bossé ça. J'ai bossé et puis même, j'ai pas à me justifier, je vais juste t'expliquer en quoi entendre ce que je te dis va être primordial, sinon tu risques de me perdre. Tu es en train de me condamner à rester cette ancienne version de moi que je ne suis plus. Donc ça m'intéresse pas. Et là, vous allez vite voir, hein, parce que la personne va dire ok, non, non, mais j'entends. Hein. Sinon, elle va dire, bah écoute, moi je pense que nanani. Alors là, vous avez votre réponse aussi. Et malheureusement, oui, ça peut être triste sur le coup, mais ces personnes-là. C'est pas plus mal, comme dirait mon père, hein, faut que ça jarte, voilà, faut que ça quitte, parce que ça va vous tirer vers le bas, et en restant fidèle, vous vous rendez complice, en restant loyal envers certaines personnes, vous êtes complice de votre propre mal-être, sachez-le. Donc voilà, ça, on l'apprend à nos dépens, mais une fois qu'on l'applique au quotidien en se disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être complice de ça, je peux vous assurer que derrière, il y a des choses qui se remettent très vite. Hein. Alors, on a l'émerveillement, l'âme sœur. Ouais, relation houleuse, besoin de reconnexion. Il y a eu quand même du. Alors pourquoi j'ai le mot clafoutis? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça a remué, hein, ça a secoué. Je pense qu'il y a une relation qui vous a trop secoué et que aujourd'hui vous réalisez aussi tout ce que ça a pu amener. C'est comme si vous disiez, non mais en fait, au lieu de me sentir triste, mais en fait cette rupture, elle m'a amené un meilleur boulot, une meilleure conscientisation de ma valeur, j'ai appris ça, j'ai fait ça m'a permis de faire ça, non mais waouh en fait. Vous voyez, c'est ça aussi, la beauté des choses, c'est que penser à quelqu'un que vous avez fréquenté, pour qui vous avez pleuré, et aujourd'hui, regardez bien si ça valait la peine, où est-ce que ça vous a emmené. Il y a des fois où je me dis, non mais mon Dieu, mais j'ai pleuré pour ça, alors que finalement, juste derrière, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Enfin, moi, je me souviens, j'avais été dégoûtée par les agissements de mon ex. Et au final, quand j'ai rencontré bah, celui qui partage ma vie aujourd'hui, j'étais à bof! Je peux pas avoir honte d'avoir pleuré. C'était moi qui voyais les choses, une ancienne version de moi qui voyait ces choses-là comme ça. Mais aujourd'hui, je suis en mode waouh, non mais attends, mais où ça m'a emmené? Finalement, c'est juste beau, c'est juste merveilleux, c'est une bénédiction. Voilà, donc bénédiction. Moi, je pense que derrière se cache une bénédiction. Les yeux de la sagesse, réponse déjà en soi. Voilà, c'est votre manière de voir les choses qui va tout changer. Donc, il y a eu une rencontre forte, même, je dirais une évidence, mais entre vous, il y a eu tellement de choses, des problèmes, une admiration perdue, un manque de sens. Hein, l'étoile, elle nous parle de retrouver du sens. Ok? Ça, c'est la première étape du programme Glow Up. Certaines pourraient témoigner. Je sais qu'il y a eu des poissons dans le lot, mais c'est la première étape. C'est de retrouver du sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'y tiens? Pourquoi je vais. Voilà. Donc là, le programme, hein, c'est. Je vous laisse regarder. Je vous mettrai le lien en barre de description. Mais c'est justement un moyen de retrouver sur 30 jours, hein, les étapes nécessaires pour se recréer une vie beaucoup plus adéquate à vos ambitions. Que ce soit financier, amoureux. Voilà, professionnel, tout est imbriqué de toute façon. Ouais, on vous parle de sagesse, de discernement et de quelque chose qui se dévoile. Ah bah une invitation. Très bien. Oui, une invitation. Maintenant, n'en parlez pas. Ça, c'est un message pour certains, certaines d'entre vous, n'en parlez pas. Oui, n'en parlez pas. Alors bizarrement, ce que vous voulez le plus encore, provoque encore des inquiétudes. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Hein. Ça n'a rien à voir avec la personne de votre cœur. Et on a une personne derrière qui s'amuse à. Alors soit vous avez changé, soit ouais, bon avec le serpent.
La boussole, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous désoriente en fait, qui s'amuse à vous désorienter et c'est pas quelqu'un dans la sphère amoureuse. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est une personne dans la sphère familiale ou ça peut être professionnelle, mais une confidente, attention à ce que vous lui confiez parce que je l'ai dit au tout début, n'en parlez pas. Alors, on vous dit d'aller au fond des choses pour que ça déménage, pour que ça bouge. On a l'âme sœur, mais alors cette personne, elle vous... J'ai même le mot obsession. C'est comme si ça vous obsédait ou ça vous grignotait de l'intérieur. Et vous avez peut-être un cas de silence radio, vous êtes en pause. Et on vous dit, là, il va falloir accepter aussi de vous mettre, voilà, de vous mettre au travail. Parce que là, il y a la peur de la triangulaire. Il y a quelqu'un qui s'est invité entre vous deux, en tout cas. Ça peut être une autre personne. Et on vous dit d'être patiente, de rester patient. Il y a de l'attente, la confusion, mais aussi de canaliser le mental. Vous avez peur d'une relation éphémère aussi avec cette personne. C'était très possible qu'elle vous ait que proposé de l'éphémère. Maintenant, alors, pour le mois de juin, moi j'ai l'impression, en fait, c'est très bien respecté. Mais dans ce que vous devez faire, vous êtes encore dans la partie... Allez, je pose les actes et je m'y mets et je vais jusqu'au bout. Donc il va être temps de solliciter vraiment les ressources qu'on peut vous proposer ou si vous sentez que vous devez faire tel truc. Là j'ai 24, 42, hein, donc on a du 4, on a du 2, du 2, du 4. Je pense qu'il va être temps ouais, de stabiliser les choses au lieu d'être dans cette dualité, dans cette hésitation constante. On vous dit une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Tu es sur le bon chemin. On a imminent et rapidement, donc je pense que ça peut très vite se débloquer. Mais un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ouais, il va falloir en fait... une personne veille sur toi et te guide. J'avais parlé du mois de juillet. Bon, bah là, on y est. Et prendre du recul sur la situation. Et là, on a prendre du recul aussi, hein, ici. Recul nécessaire, discernement. Je pense qu'en fait, là, faites un bilan. Ça va aussi vous aider, votre entourage, de comment vous vous sentez au contact de certaines personnes, etc., etc. Et surtout vous dire, voilà, moi je sais qu'il y a une âme sœur pour moi, il y a quelqu'un avec qui, voilà, il y a possibilité de faire vraiment quelque chose de très beau. Mais dans le contexte habituel ou dans le contexte ici, voilà, il y a des choses à changer à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a des étapes à passer. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit message de fin pour vous, très cher poisson? Le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi des personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Voilà mes très chers, j'arrête là pour le reste, ce sera en guidance privée. Si le cœur vous en dit, je vous mets tous les liens en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Bien sûr qu'on se retrouve semaine après semaine pour les guidances hebdomadaires. Ça vous permettra de réajuster, d'avoir d'autres clés. Si vous voulez des exercices personnalisés, des conseils personnalisés, ça restera en guidance privée uniquement. Là, c'était qu'une guidance générale. Voilà, donc ça restera du général, même si ça vous a parlé. Ça ne veut pas dire que ça vous arrivera. Ça veut juste dire que vous êtes en tout cas amené à entendre les messages. Maintenant, pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous êtes supposé faire, ce sera donc en séance avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!